Comment atteindre la cote de 69 sur Apollo 14? J'ai reçu cette question partout sur mes réseaux en fait. J'étais obligé de faire cette astuce là et dire que j'en ai fait, je pense, 4 vidéos comme ça ou même plus sur Apollo 14. Mais vous savez, comme d'habitude, les bookmakers font la mise à jour et voilà. Tout ce qui marche, dès qu'ils font la mise à jour, bah, ça ne marche plus. C'est comme ça, c'est dur en fait. Donc j'étais obligé quand même de faire cette vidéo là, c'était pas prévu mais quand même. Allez, donc j'espère que vous allez bien les gars. Alors avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas de rejoindre mon groupe Telegram les mecs. Je vous assure que c'est vraiment du lourd ce qui se passe sur Telegram. Lien en description, mais aussi épinglé sur le premier commentaire. On se retrouve de l'autre côté. Alors maintenant, vous venez sur la section money. Alors c'est très important aussi de comprendre les mecs pour appliquer ces genres de stratégies là, comme ce que je dis tout le temps sur Instagram, voilà, e-sport. Il vous faut un code promo pour optimiser ces jeux là et le meilleur code promo c'est 4x les mecs, voilà, utilisez le code promo qui est affiché à l'écran là. Donc c'est la même logique pour YouTube Stars aussi, voilà, méga paye. Même code promo, sans pas une équipe qui gagne. Et nous, bien sûr, on démarre cette fois-ci. Alors, section 1C Game, voilà le jeu Apollo 14. Voilà. Donc, ce que vous ne comprenez pas, en fait, les gars, c'est pas une question de sémant miracle ou saison turiste. C'est vrai qu'il y a le sémant un rôle très important quand même pour atteindre ce code-là. Mais c'est pas vraiment aussi important que vous le pensez. Le plus important, comme ce que j'ai dit tout le temps, c'est la gestion de votre mise, quoi. Voilà comment vous misez et tout. Parce que c'est important de bien miser. Comme ça, vous allez vous en sortir, quoi. Donc, moi, j'ai 202 000 francs sur mon sol. Donc, je vais jouer avec 5% de mon capital. Donc, ce qui veut dire que je vais démarrer avec des mises de 10 000 francs. Et sur cette mise de 10 000 francs là, je ne vais pas doubler ma mise. Donc vous allez voir quoi. Vous allez voir une somme où vous pouvez le miser plusieurs fois. Je dis bien plusieurs fois pour que vous ne videz pas rapidement vos soldes. Et donc ne vous mettez pas à doubler la mise comme on devait le vider rapidement. Vous comprenez comment ça se passe toujours. Voilà, ne vous laissez pas dominer par vos émotions. Donc soyez lucide. Et nous, on démarre. Donc j'ai un nouveau CMA quand même cette fois-ci. Et on va voir. Avec ce CMA là, si c'est meilleur que les autres. Bon, là la team, je pense que 10 000 c'est trop en fait. Voilà, donc 20 fois c'est 200 000. Alors là, je vais essayer de récupérer et diminuer ma mise. Parce que normalement, vous devrez avoir minimum 40 tentatives. Donc vous avez mis 5 000 francs. Comme ça, jouer les 40 tentatives. Voilà, let's go. Donc normalement 5000 fois 69 ça doit faire environ 300 et quelques mille. Ouais, donc c'est pour ça que c'est très important de miser petit et gagner gros vu que c'est le but de la stratégie. Alors je tenais aussi à vous dire un point très important, ça c'est que ça ne va pas être facile. Voilà, ça ne sera pas facile du tout. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez démarrer deux fois, comme vous pouvez le voir, si ce trajet là jusqu'à atteindre cette cote de 1,93. Bon, ça marchera de l'autre sens aussi. Voilà, puis vous allez venir maintenant au milieu. Voilà, puis vous venez là sur le côté deux fois, comme ça, et là vous revenez au milieu. Et cette fois-ci, vous prenez l'autre côté et vous jouez deux fois comme ça. Et maintenant vous allez terminer en venant ici pour le 69.93. voilà, donc possible qu'on l'a sur 10 tentatives voire plus de 20. Donc on peut faire plusieurs pertes avant de l'atteindre bien sûr. Alors maintenant on va démarrer. Donc les trajets, vous allez comprendre au fur et à mesure que je joue. Donc une fois au milieu comme ça, puis vous allez venir de ce côté là. Et voilà, là j'ai perdu mon premier pari, je mets le deuxième. N'hésitez pas de liker la vidéo les mecs, c'est très important. Voilà,
Donc, j'ai perdu mon deuxième pari. Je passe pour l'autre côté. Ok. On continue toujours si cette même logique. Donc, il ne faut jamais doubler la mise. Vous allez voir que, à force d'insister avec cette même mise là, vous allez finir par l'avoir. Voilà, parce que l'algorithme, comme je dis tout le temps, s'attend à ce que vous doublez la mise et que vous videz votre solde, quoi. Voilà, encore une fois, si cette cote de 11 là. Ok, donc voyez-vous, si c'était une mise de 10 000 francs, sans doute d'aller plus perdre que avec 5 000 francs. Donc encore une fois, sur cette cote de 11 là, vous n'arrivez pas à monter plus haut que 11. On va voir. D'accord, on continue. Allez, donc je passe pour l'autre côté. C'est après la même logique vu que c'est juste le début en fait. Voilà. Pour l'instant, le jeu est difficile. Mais ça ne sera pas quand même pour tout le monde. Moi, vu que je pense que je gagne beaucoup avec ce compte-là et aussi c'est pas un nouveau compte. Mais il y aura des comptes où ça va être plus facile. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Les bookmakers en font perdre toujours à la 11e. Voilà, cette fois-ci, on dirait que c'est la bonne. Oh non, à la 27e. Voilà, donc aussi, je vous conseille tout le temps, si vous perdez beaucoup et que vous, vous réussissez à atteindre, bien sûr. Là, ils essayent de bugger le jeu. Donc, comment dire-ce, vous perdez beaucoup et vous atteignez cette cote de 11 là, vous pouvez quand même retirer histoire d'un peu remettre votre solde à niveau, quoi. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Hein. Je pense que s'ils atteignent cette cote de 11, je vais essayer de récupérer un peu. Histoire de... Voilà quoi. Sinon, à force d'insister comme ça, on risque de tout perdre. Ça sent trop la douille. Aujourd'hui, c'est trop compliqué le jeu. Là, je suis littéralement en train de vider mon solde en fait. Et c'est pas du tout facile là. Là, j'y arrive pas en fait. C'est bizarre. Allez, voilà. Laisse-nous gagner, mec. Enfin, on a le 349 000. On était en train de vider le sol, regardez bien. Encore 3 tentatives, 4 tentatives, bah c'est fini. C'est dur, les gars. Je ne vais pas vous mentir, pour les mecs qui vont se lancer au défi là, ça va être compliqué en ce moment. Voilà, je sais pas si c'est le CMA ou pas, mais en tout cas, c'est un nouveau CMA et je trouve que c'est un CMA très cool. Je sais pas pourquoi, mais le jeu est compliqué pour l'instant. Bah les gars, moi j'arrête ici.
Voilà, je vous conseille de faire pareil si vous atteignez cette cote de 109 là. Voilà, et vous récupérez, vous avez un bénéfice arrêté. Voilà, moi carrément sur 200 000, voyez-vous, j'ai perdu presque 70 000, 180 000 avant de pouvoir l'atteindre. Et j'ai atteint, j'ai un gros bénéfice, comme vous pouvez le voir. Donc, il faut essayer de faire pareil. Dès que vous l'atteignez, vous récupérez directement et vous guettez et vous attendez peut-être le lendemain et relancez le jeu. Voilà, le jeu ne va pas facilement vous donner l'opportunité de l'avoir deux fois ou trois fois consécutifs. Je le faisais quand même sur une de mes vidéos, mais là pour l'instant, je connais bien ce jeu, donc il faut appliquer les conseils que je vous donne. Pour l'instant, c'est très compliqué. Voilà, peut-être avec le nouveau mise à jour qui va venir, ça va être plus facile, mais pour l'instant, le jeu est très compliqué. C'est dur à... Voilà quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vais faire une partie 2. Voilà, pour le 69.93. Donc, restez scotché, likez la vidéo et rejoignez le Telegram pour les pronostics de qualité.